And welcome back. So right now, there's Miss Flower and Isabelle from the Clinique du Mouvement. Isabelle will help us to do some pancakes. So I think they're smiley pancakes. Hein? C'est des crêpes sourires ou quelque chose comme ça, Isabelle? Yes. Yes, excellent. With some great fruits. Okay, grapefruit is good. Can we put oranges too? Yes. Yes. Everything that you like, every fruit that Okay. you like, you can take it. Fait que Take là, je it. serais curieuse pendant que les gens se connectent puis qu'ils trouvent le live et tout, ça prend, il y a toujours un bon délai. Fait qu'on va prendre encore 4 minutes pour laisser aux gens le temps de se connecter. En attendant, j'aimerais ça que tu m'écrives dans les commentaires les fruits que tu préfères, puis peut-être ton mélange de fruits que tu aimerais mettre sur les crêpes aujourd'hui. Tu sais, est-ce que c'est kiwi, je ne sais pas avec quoi, kiwi fraise ou banane, ananas ou peu importe. Fait que regarde ça, écris-moi les sortes de deux sortes de fruits que tu aimerais. Puis si tu es capable de les écrire en anglais, c'est encore mieux. Je vais être comme waouh! Si tu les écris en français, c'est correct aussi. Mais deux sortes de fruits que tu mettrais ensemble sur tes crêpes aujourd'hui. Fait que écris-moi ça dans les commentaires. Fait que Isabelle, toi, présentement, il fait comment chez vous, là? C'est nuageux, it's Cloudy? OK. cloudy. Est-ce qu'il annonce de la neige? Bonne question. J'ai pas regardé, mais c'est doux. On est OK. bien là. Tu vois ici, le soleil commence à se cacher un petit peu. Fait que the sun is Ouais. going away under a few clouds. Ah, so Juliette writes banana, apple, and orange. So you would put three, Juliette. Three fruit. OK. Audrey, qui est là avec, attends, tu peux, si je me souviens bien, il faut que j'aille dans ma mémoire. C'est-tu Philippe, Rosalie et William, c'est-tu ça? Et je te dis, ma mémoire me joue des tours des fois. Audrey, elle écrit strawberry. So just strawberries will be her fruit today. Excellent. Fait que Juliette, elle écrit yes, three fruit. Okay. Fait qu'Audrey, c'est Juliette. Bon, on va-tu, ou bien c'est deux Juliettes différentes, Juliette Hull puis Juliette Audrey. Ah, Audrey, c'est Juliette, Philippe et William. Bon, tu vois, je me suis trompée. C'était pas Rosalie, c'était Juliette. Excellent. And Océane writes, she would put strawberries, blueberries, bananas, and apples. Wow, four fruit? Yum! Fait que toi, aujourd'hui, Isabelle, t'en mets un fruit seulement. Oh, Three. three. Yeah, I will put some blueberries and some strawberries and green grape. Green grapes. OK. Yummy. Savais-tu quoi, les bleuets, c'est mes fruits préférés, là? J'adore les bleuets. Oh, si j'en mange! C'est tellement bon! Puis quand j'étais enceinte de mon fils, mon chum, il me dit, toi, tu vas avoir un schtroumpf, il va être bleu. On a tellement mangé. Strawberry. OK. Excellent. Il nous reste 1 minute. Alors, écris-moi, est-ce que tu vas mettre un petit peu de sirop sur ta crêpe ou si tu vas la manger juste comme ça? Je suis curieuse. Est-ce que tu mets du sirop d'érable? Est-ce que tu mets like maple syrup? Est-ce que tu mets du sirop de maïs? Corn syrup? Quoi d'autre qu'on peut mettre sur des crêpes, Isabelle? C'est pas mal ça. Moi, en général, j'aime ça avec un peu de sirop d'érable puis des fruits. Mais on peut mettre, si on aime autre chose, de la confiture aussi, ça peut être bon. Some jam. Ouais, ça Okay. pourrait être une alternative aussi, là. Okay. Or the famous chocolate. A little filet of chocolate
could be good, mais là, ouais, c'est moins santé un petit peu. Hein? Fait que c'est plus un genre de dessert de fin de semaine ou quelque chose de même. C'est pas un déjeuner. Ouais, c'est sûr que si on le veut pour déjeuner, les crêpes fruitées, ça passe. Même un petit soupçon de chocolat, c'est correct aussi. Là. Ouais, pas l'étendre au complet puis mettre quelques fruits. On fait le contraire, on met plein de fruits. Un petit dessin de chocolat ou faire un petit cœur, une fleur, quelque chose, chocolaté. Ouais, tout aussi, là. Great. Oh, Océane says, I will put maple syrup. Mm-hmm. So she will put maple syrup on her. Un classique, hein. Excellent! Alors, si tu es prête, Isabelle, on va commencer. On va regarder comment tu fais tes crêpes souris. Bonjour! Alors, hi everybody. I'm not pretty good in English, but I'm going to try to speak English with you. So, we will take some flour. Is that farine? Flour? Yes, okay. Flour. Okay. C'est le même mot que fleur. Ça se dit de la même façon, mais ça s'écrit de la même façon. OK, je viens d'apprendre la prononciation à la même. And we need one cup and half in dans un bol. Dans un grand in bol. In a bowl. Yeah. Moi, je vois pas personne là à la maison. Je sais pas si toi, tu les vois ou si tu peux me guider quand tout le monde a terminé de mesurer sa farine. Non, plus je les vois pas. Non, OK. Je vais laisser un petit peu de temps. Donc, on prend une tasse et demie de farine dans notre bol. And after that, we will take teacup. A teaspoon? A teaspoon. Yeah, thank you. A teaspoon. So, we will put some magic powder, la poudre à pâte, 3 cuillères à thé, 3 teaspoons, in the same big bowl. Okay. With the flour. So 1, 2, and 3. And after that, we will keep the same teaspoon, and we will take some brown sugar if you have. If not, you can take some white sugar. Donc, moi, je mets du sucre brun, 3 cuillerées à thé, mais si vous avez uniquement du sucre blanc régulier, vous pouvez mettre le sucre également. And in the same bowl. And we will take some salt, just an half of a teaspoon, une demi-cuillerée à thé de sel, dans le même bol. Là, jusqu'à maintenant, on a juste les ingrédients secs, c'est ça? Oui, c'est ça, j'allais dire. Là, on va mélanger uniquement nos ingrédients secs. So we can mix all of them. And, je ne sais pas si tout le monde avait déjà préparé, parce que la recette avait été affichée. Je ne sais pas si tout le monde avait préparé à l'avance les ingrédients, ou si vous les sortez à mesure, ou si vous voulez que je vous dise ce qui reste pour la suite. Je n'ai pas pensé au début. J'ai pris pour acquis que tout le monde l'avait lu, mais peut-être pas. Fait que Juliette, Océane, voulez-vous nous écrire? Est-ce que vous êtes en train de la faire, la recette, ou si vous faites juste regarder et vous allez la faire après? So, are you doing it right now or will you do it later? J'aimerais ça savoir. Isabelle Meunière, you say you're doing it right now. Tu l'as fait maintenant, Isabelle? Il y a toujours un délai, hein? C'est plate. Ah, c'est pas grave. Ça va laisser le temps pour les autres, là. Parce que oui, les ingrédients étaient sur l'événement, fait que les gens pouvaient les sortir d'avance. Fait que Nicolas and me, we do it after. OK, so Peggy says that Nicolas and her son will do it after.
Isabelle, et Juliette, mon doux, ça vient compliqué. Il me semble que j'ai plein de Juliette sous différents noms. Fait que je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est la même ou si c'est trois différentes Juliette. Yes, non. OK, Isabelle, elle le fait maintenant. OK. So, est-ce qu'on va trop vite, Isabelle, ou si ça va bien, là? Est-ce que tu es capable de suivre? OK, we have Juliette Loza. Puis c'est qui les autres Juliettes? C'est-tu toutes les mêmes? Parce que là, si ce n'est pas les mêmes, on aurait trois Juliettes, là. OK, fait que Isabelle says it's good. So she does it as we go and she's doing good. OK, that's all right. So, we can continue? Yes. We will make just a little place in the middle of the bowl to place one egg. So we have to break the la coquille. I'm excuse the for shell. The shell, thank you. And we will put the egg on the middle of the bowl. Just a moment. I forgot to take something to break my egg. Okay, and after that, we will mix with the flour and the mix that we have, like this. After that, we will need to put some milk. So we need 1 cup. And 3/4 de tasse. Une tasse et 3/4 de lait. Et puis, quelle sorte de lait, toi, que tu mets dedans? Moi, j'ai du lait d'avoine, some oat milk. Okay. But we can take another milk if we don't have this one. Almond milk aussi, it's great. But... every milk will be okay. And we will mix slowly. Not, on ne le met pas tout d'un coup dedans, là. Just slowly and we mix. Okay. So we can mix a little bit. Isabelle says milk, soya, chocolate milk, soya. Oh. It will be pancakes, chocolate pancakes. That's a good idea. That's great. That will be great. So, une tasse et 3/4 de lait ajouté tranquillement en le mélangeant là, tranquillement. And you can adjust a little bit the quantity of milk or of flour. Okay. Parce que si le mélange est trop épais à la fin ou trop liquide, on peut, s'il est trop épais, on va mettre un peu plus de lait. S'il est trop épais, on va en rajouter. Ça veut dire que s'il est trop liquide, ça veut dire qu'on va rajouter un peu de farine. Parce que selon les sortes de lait puis de farine, des fois, ça varie un petit peu. Si on a de la farine sans gluten, il faut mettre des fois un petit peu plus de liquide. OK. Moi, j'ai Audrey. C'est-tu Audrey qui a dit qu'il allait manger ça ce soir, eux autres? Oui, Audrey, oh, ouais. Elle a écrit « On va manger ça ce soir ». Nice! So, It's a little liquid, but that's okay, like this. Okay. You can see? So that's the consistency you that's, want. Yeah. And after that, we will take a tablespoon with some oil. I get some avocado oil, but olive oil, it's okay, or another one, but the
better to use it's avocado or olive if you have. Three spoon, tablespoon. Okay, 3 tablespoons. And after that, we will mix again, slowly. Je vois que tu utilises un fouet, un whip. C'est vraiment la meilleure chose pour mélanger. Oui, puis parce qu'aussi, vu que c'était une activité pour les enfants, je trouvais qu'un fouet, ça allait bien sans le risque du mélangeur aussi. Mais si vous êtes plus vieux, vous avez un mélangeur, ça va juste un peu plus vite. Mais le fouet va très bien. Même une cuillère de bois, ça va bien aussi. Hey, Isabelle says she has grapeseed oil. Fait que c'est de l'huile de pépins de raisin. Oui. That's good. Right. So, when everything is mixed, we will take the teaspoon, just one, with vanilla extract. It's better when it's pure, but every kind of vanilla extract will be okay. Just one teaspoon. And we can mix again. And the pancake mix will be ready to be cooked. De le faire, on serait prêt à le faire cuire. Okay. Donc, je ne sais pas si vous voulez les faire cuire maintenant, attendre. Ça, je vous laisse le choix. Je vais aller à la demande. Je peux allumer le rond de poêle puis les faire cuire. Voulez-vous? Je la décore, c'est pour vous. Ça serait fun d'en faire une, puis après ça, on pourra mettre les fruits dessus. Oui, absolument. Puis souvent, on appelle ça un batter, un pancake batter. Fait que ça fait comme une genre de pâte. Ouais, je sais pas pourquoi ils utilisent ça, mais c'est vrai qu'on entend ça souvent, de pancake batter. Fait que c'est ta pâte. T'sais, souvent, si on fait des pogos, on va tremper la saucisse dans une batter. Mm-hmm. Fait que c'est comme ça qu'ils appellent ça. The pancake batter is ready. Nice. So turn on the oven and you turn on the stove. Yeah. And à quel degré tu le mets, à peu près médium ou? Medium high. Okay. To begin. And I put just a little bit of oil. In your pan? Yeah, just a little bit. And I'm gonna wait maybe 1 minute to be hot. And after that, we can cook the pancake batter. Yes. Excellent. And we can cut some fruits. Okay. En attendant, ils vont être prêts quand la crêpe va être cuite. Good. Est-ce que ça va bien à la maison, celles qui ont fait le mélange? Ouais. Est-ce que ça donne votre mélange à la maison? C'est une bonne question, Isabelle. Est-ce que c'est trop épais, trop liquide ou juste correct selon toi? Je serais curieuse. Puis, ça donne combien de crêpes à peu près, Isabelle? Maybe 6 inches, 6 pouces, okay. 15 centimètres, 4-5. OK. Selon l'épaisseur, là, mais... Oui, c'est ça, c'est toujours une question de goût. Hein. Si on aime ça plus mince, on ne met pas beaucoup de pâte, puis on l'étire un peu dans. Soit qu'on
on peut bouger la panne là, pour qu'elle fasse ça comme ça, pour que le mélange s'en aille partout, là, qu'il fasse ouais, une belle... A nice coating at the bottom of the pan. Ouais, puis ce mélange-là est fait plus pour faire des crêpes avec une certaine épaisseur que très, 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 très mince. OK. C'est vrai qu'il y a une différence en anglais entre crepes and pancakes. Fait que t'as raison, ce qu'on fait, c'est des pancakes, des crêpes. Puis en anglais, quand on utilise crepes, c'est ceux-là qui sont très, très minces. Ouais, fait que c'est pas la même chose. Isabelle a dit que ça va bien, elle, c'est correct, ces choses. J'entends d'entendre ça. Est-ce que vous les faites cuire tout de suite, vos crêpes, vous autres, à la maison? So, are you cooking your pancakes right now or you will wait for dinner? Moi, quand je les fais cuire, je les pars à médium élevé, mais après ça, une fois que la crêpe est dedans, surtout si on veut en faire plusieurs, on est mieux de le réduire à médium, puis peut-être juste, mettons, léger, médium, là, trois quarts là, là-dedans. OK. Plus léger, plus vers le léger, parce que sinon, ça va trop cuire rapidement, mais l'intérieur ne le sera pas. OK. Good. Là, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je suis là, je pose des questions, puis je leur demande d'écrire, mais ils sont occupés à faire à manger, fait que... c'est mélanger. Est-ce que la plupart les fait cuire? J'ai pas suivi le fil, là, si la plupart attendaient à ce soir. Je sais pas si on convient non plus. On est 3 ou 4, puis j'ai pas eu de réponse là, à savoir s'ils les faisaient cuire tout de suite ou s'ils attendaient pour un peu plus tard. Mais c'est vrai que des crêpes, ça se mange froid aussi, hein? J'ai jamais essayé, honnêtement. Mais oui, c'est sûr qu'on pourrait les faire cuire d'avance puis peut-être les réchauffer légèrement avant de les manger. Mais oui, essayez froid, je vais essayer ça. Oui, tu sais, c'est ça. On les fait cuire d'avance, comme tu disais, on les met au frigo. Ouais, puis on peut les faire réchauffer, effectivement. Fait que... Mais sinon, c'est pas long. En gardant le mélange, il se conserve là, au moins 3 jours. OK. Ça, il n'y a pas de problème. Excellent. Quand on voit des petites bulles, just little, I don't know if you can see, là. The little bubbles, yes. Bubble, là. You can just take a, check if you can take the pancake and easily return. Okay. So I'm gonna return. That. Flip. Flip. Flip, yeah. So when you see bubbles, it is time to flip your pancake. Oops, comes up. Okay, Isabelle, she's cooking now. So she's doing it at the same time as you, Isabelle. So you're multitasking. Isabelle Meunier, she's multitasking. Fait qu'elle fait à manger, elle écrit sur le chat, elle fait cuire en même temps. Great job! And so, je te vois, t'as tourné ton rond, t'as baissé ton rond un petit peu, c'est ça? Là, je l'ai mis à off. Je l'ai arrêté parce que j'en peux pas cuire d'autres, mais ma crêpe est prête. Okay. So, pancake is ready to eat. Nice. Nice. So, if you want to put a little bit of maple syrup or chocolate or grapefruits. Uh-huh. Quand on dit grapefruit, là, ça c'est des pamplemousse. Ah, grapefruit, OK. Great. Je voulais dire bon, des bons fruits. Grapefruit, je l'ai mal prononcé. Donc, moi, j'ai fait un sourire à ma crêpe. And the nose. The eyes. Puis,
J'aime beaucoup mettre de la couleur. Là, j'ai pas de banane, mais si on met des bananes, you can put some bananas, et ça va tenir. Là, c'est, les raisins ne tiennent pas, mais je pourrais les mettre autour, mettre d'autres fruits, là, juste pour le côté esthétique de décoration aussi. Yes! Ah, oh, c'est super beau. Et que ça fait des belles assiettes. Hein? Quand on met des légumes ou des fruits, là, c'est plein de couleurs, c'est appétissant. Ça donne le goût d'en manger. Oui. Ça aide à manger un peu plus de fruits aussi. Oui. OK. A big smile. Ah, oh, nice! Big smile. C'est vraiment beau. Hey, merci beaucoup, Isabelle. C'était génial comme atelier. Ça s'est fait presque tout en anglais. Fait que je suis contente parce que mes élèves, ils parlent pas beaucoup pour la majorité. Fait que là, on apprend du vocabulaire et tout. Fait que c'est super. Puis, avant de les laisser partir, je voudrais juste vous dire, si vous avez fait vos crêpes, j'aimerais ça que tu m'envoies une photo. Ou peut-être même une petite vidéo de toi en train de faire les crêpes. Fait que ça, tu demanderas à papa ou maman ou l'adulte qui est avec toi si c'est correct, là, parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Mais si tu es correct, si papa et maman sont d'accord avec ça, tu peux m'envoyer une photo de toi en train de faire tes crêpes ou en train de les manger. Ou une photo de ta crêpe, tout simplement. Parce que juste comme ça, j'ai un petit concours. Fait que je peux pas donner les détails présentement. Mais dans les courriels que j'envoie, je les mets. Fait que ça va te donner des petites chances. Excellent. Fait que est-ce qu'il y en a qui ont goûté, là, comme Isabelle Meunière? Est-ce que c'est prêt tes choses? Est-ce que tu y as goûté? Puis là, je ne sais pas si Juliette est encore là. L'autre Juliette. Il y avait Peggy qui était là avec Nicolas. Fait que j'espère que vous êtes encore là. Je ne sais plus qui est là. Ça change tout le temps. Hein? Oui, ça change. Moi, je veux juste mentionner de penser à éteindre le rond, de mettre à off. Puis de tasser la poêle aussi du rond qui a été utilisé. Hein? Question de sécurité. Oui. Très bonne chose à dire. Fait que moi, je dirais en bas de 12 ans. 12 ans et moins. Ça prend absolument la supervision d'un adulte. On ne touche pas au four sans la supervision d'un adulte. Puis, si tu as 13 ans et plus, là, ça prend le OK d'un adulte qui est avec toi, dire oui, oui, tu peux le faire, c'est correct. Fait que si tu es seul à la maison, on ne fait pas ça. Excellent. Fait que j'ai pas d'autres messages, mais vous pouvez continuer à écrire quand même parce que même si vous écrivez une fois qu'on n'est plus en ligne, je vois vos messages pareils. Puis, vous pouvez envoyer vos photos ou vidéos soit ici sur les réseaux sociaux ou dans mon adresse courriel. Je vais le mettre floweranglais@hotmail.com. Fait que tu peux envoyer ta vidéo ou ta photo à cette adresse-là. Puis, ça va te faire participer au concours en même temps. Puis, nous autres, ben, on va pouvoir le mettre. Si tu n'es pas dessus, on va pouvoir le mettre sur les réseaux sociaux. Puis si tu es dessus, ben je vais te dire ce qu'on va faire avec plus tard. Fait que merci Isabelle d'avoir fait ça avec nous. C'est vraiment le fun. Puis merci à tous ceux qui étaient là également. Je pense que ça nous a tous donné faim. Hein? On veut tous aller manger des crêpes sourire pour souper. Vous voulez prendre en collation comme vous aimez mieux, mais merci pour votre participation aussi. C'est très agréable de savoir qu'il y en a qui se sont connectés en même temps. Oui, exactement. Fait que redonnez-nous des nouvelles de vos crêpes, puis nous autres, ben, on se revoit demain pour d'autres ateliers. Fait que bye tout le monde! Bye bye! Bon appétit! Ah oui! Enjoy!